Kevin Costner, héros du film Robin des Bois, Prince des voleurs diffusé ce jeudi soir sur W9, a perdu beaucoup d'argent à cause de ses divorces. Des sommes astronomiques, qui régleraient les problèmes financiers de n'importe qui. Kevin Costner, a retrouvé ce jeudi 7 septembre à 21h05 sur W9 dans Robin des Bois, Prince des voleurs, film réalisé par son ami Kevin Reynolds, est actuellement en plein divorce avec Christine Baumgartner. Ils ont trois enfants ensemble, Kaden, 16 ans, et 14 ans, et Grace, 13 ans, note de la rédaction. Le célèbre mannequin allemand a fait cette demande le 1er mai dernier, à cause de différends irréconciliables. Une séparation qui va coûter très cher à l'acteur, au sens propre du terme. En effet, celui qui est devenu célèbre grâce au film policier Les Incorruptibles en 1987, doit 63 000 $ de pension alimentaire mensuelle à la jolie blonde, cette dernière en réclamait 162 000. Une sacrée somme. Sans oublier que, comme vient de le rappeler Capital, les deux époux avaient signé un contrat lors de leur union, disposant qu'en cas de divorce, Christine Baumgartner aurait 30 jours pour partir du domicile conjugal, évalué à 145 millions de dollars. On parle ici d'un véritable palace californien avec piscine à débordement, cour de tennis, immense jardin et maison d'hôte. Problème, Christine Baumgartner et ses enfants n'ont toujours pas quitté cette belle maison, alors que le divorce est en cours depuis plusieurs mois. De quoi pousser l'acteur star de la série Yellowstone à intenter une action en justice pour recouvrer son bien immobilier et ainsi faire expulser son ex-épouse, ajoutent nos confrères. Des circonstances indépendantes de sa volonté, rappelons également qu'avant de croiser la route de Christine Baumgartner, avec qui il aura été marié pendant 18 ans, celui qui est également à retrouver ce soir sur TMC dans Bodyguard, l'un des films les plus marquants de sa carrière, avait dit oui à Cindy Silva, la mère de ses trois premiers enfants, Annie, née en 1984, Lily, née en 1986, et Joe, née en 1988. Il a également eu un fils, Liam, né de sa brève relation avec Bridget Rooney, note de la rédaction. Mais ils finirent par divorcer. Une séparation qui lui avait coûté à l'époque 80 millions de dollars. Une somme qui n'a rien à voir avec la première, et qui pourrait permettre à n'importe qui de vivre plusieurs vies en étant riche. Si est-il donc dans une volonté de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec sa première épouse que Kevin Costner a tenu à verrouiller son contrat de mariage avec Christine Baumgartner. Il n'a d'ailleurs pas attendu pour mettre en action les procédures judiciaires, bien qu'elle ait été poussée par des circonstances indépendantes de sa volonté, selon son porte-parole. Dans un communiqué, l'acteur appelle cependant au respect de sa vie privée, et de celle de Christine et de leurs enfants. Alors qu'il traverse cette période difficile. Une belle marque de respect de la part de celui qui a été oscarisé dans les années 90 pour son film Danse avec les loups, à son ex-épouse.